On a eu jusqu'à 900 sangliers dénombrés à passer sur le pont, 300 cerfs et 150 chevreuils. En 2012, les travaux étaient en train de se faire et les cerfs utilisaient déjà le passage entre les engins. Et aujourd'hui, effectivement, on ressent qu'il y avait ce besoin et il y a ce brassage qui se fait tout simplement et naturellement. On a des photos où on voyait la biche en train de se faire téter par le faon ici, là, posé là, où le faon se couchait ici. On retrouve également aujourd'hui des renards, renards blaireaux, du lièvre également qui fréquentent régulièrement. Et donc là, les animaux peuvent se croiser, reprendre un petit peu leur territoire.